Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoayo, c'est Guncho. Et aujourd'hui, c'est de retour par cette pluie battante. À la poursuite de Jacques Gabot pour cet asile de fou. Donc c'est parti. Donc là, j'espère que sur le chemin, je vais pas rencontrer des connards, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça, tout ça se passe bien. Je suis toujours accompagné de mon cher Mac Crady. Donc j'espère qu'il va être utile. Voilà. Donc ben, c'est parti. Hein. Allons-y. Hein. En tout cas, ça m'a l'air pas avec. Enfin. Chiant, mais on va faire avec, hein. On va faire avec. Oh. Couche panier, toi. Ça pue. Je sais pas si j'ai une grande impulsion. Ça pue. Ça pue grave. Il a continué son chemin, je crois. Ok, ok, j'ai perdu le doc. Merde. De toute façon, c'est tout droit là. Ah non, il est là. Allez là-bas. J'espère que de mal. Qui va me pied où je pense? Enfin, t'en as pas de pied. J'ai lancé la... Oh non... Vas-y. Merde. Tu vas me payer. Au combat, t'auras une belle mort.
Une canne? Sérieux? Une canne. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais bon, une canne quand même. Sérieux? Et qu'on peut aller là-dedans, si? Et qu'on peut aller là-dedans. Bon, ça va normalement, j'ai tout nettoyé le coin, donc non, ça devrait pas poser de problème. Ça devrait pas poser de problème, ouais. Il avance ou quoi? Il est sérieux, lui? Ça c'est, on dirait, l'alarme que j'ai posée chez eux là, chez les ghouls. Ça fait un peu mal aux oreilles, hein. Je suis vraiment désolé, mais on va devoir subir ce son. Quoi? Ah, bien. Bon, ça va, on n'est pas loin. On est vraiment pas très loin, donc ça va. Il me dit pas qu'il veut nager à la nage. Oh, oh my god. Oh, un dominant en plus. C'est ma veine. Non. 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 Je veux pas crever. Non. Putain, d'où il sort lui? Vas-y là, d'où il sort? Oh my god. Bon, vous voyez, les drogues c'est très très mal, mais là il fallait que j'utilise. Oh, erreur fatale. Non, mais t'es vraiment hard d'où il sort quoi, ce connard quoi. Il sort de ne sais pas où et ah, il est bouffé quoi. Non, je crois que j'ai un radical ça. Nous y sommes presque. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Les hommes d'Edouard se sont défendus vaillamment. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. On va aller dans mon bureau pour évaluer la situation. Restez près de moi, suivez mes ordres et tout devrait bien se passer. Allons-y.
je suis un vautour. Je ramasse tout, moi, tout ce qui peut être utile. Ok, d'accord. Oh. Ah merde, Mario. Hey, il vous faut quelque chose? Ah, vous auriez pas dû... Voilà, avec cette tenue normalement ça doit le faire. Ok, on rentre dans ce chose, dans cette chose plutôt, qui va me rendre fou. En tout cas je l'ai équipé d'une arme puissante. J'ignore comment c'est possible, mais cette porte est bloquée de l'autre côté. Désolé Doc, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Préparez-vous. Il vient vraiment d'ici. Je peux te dire que ça vaudra vachement le coup. Comment t'as pu en avoir, toi, de toute façon? Lefty peut pas te saquer. Disons que j'ai rendu service à deux... deux ou trois amis de Lefty. Il n'y aura pas que moi qui fera la gueule. Ça doit coûter une blinde à tous ces mercenaires. Allez, jetez au moins une partie de ces cochonneries. Ok, ça s'est enchaîné, ok d'accord. C'est par là. Oh non, je peux voyager très lourd. Je crois que je vais aller voir. Il est là. Par ici! Tiens! Encore! Putain, tu... J'arrive. Moi je fouille hein. De l'argent.
Merde. Génial. Joli. Désolé si je parle pas là, j'étais concentré. What the fuck. Aussi, il est un petit peu tard, on va dire chez moi là. Donc j'essaie de me concentrer au max, on va dire. Soit je suis en train de tomber dans les pommes, soit il fait noir comme dans un four aussi. Oui, il fait très sombre. C'est tiré le camion scientifique quand même. Je sais pas où ça mène, mais ça m'a l'air rien qui vaille. Hein. Ça m'a l'air un peu chaud quand même là. Je ne peux pas me lever, par contre. Vous les avez empêchés de prendre l'ascenseur ? Oui, je l'ai envoyé au sous-sol avant de le couper. Comme vous me l'aviez demandé. Bien. J'en ai descendu quelques-uns avant qu'ils décident de me laisser tout seul ici. J'ai vu personne depuis un moment. Enfin, je crois. On perd un peu la notion du temps quand on se vide de son sein. Vous êtes sûr que vous ne pouvez vraiment pas vous lever ? J'ai besoin de votre aide. Ouais, Jack. Sûr et certain. Je vois. Vous n'avez pas... Ils sont en sous-sol. Ça va ? Ça ira. Bref, ça n'a plus d'importance maintenant. Nous allons devoir passer par la partie abandonnée du bâtiment. Plusieurs portes de sécurité du sous-sol ont été forcées. Mais le sol par Amélie semble tout droit. Oh yes ! Oh yes, 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 yes ! Ouais, ouais, ouais ! Il faut accélérer le mouvement. J'ignore pourquoi, mais il semble fermement déterminé. Vous allez me dire ce qui se passe ici, oui ou non ? Ce n'est plus la peine de vous le cacher maintenant. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. L'artefact rend Lorenzo extrêmement dangereux. En plus de lui conférer une force surhumaine et une résistance à tout type de dégâts physiques, il l'a plongé dans une sorte de psychose meurtrière. Il maîtrise une certaine forme de télékinésie très localisée, qui semble projetée par l'artefact lui-même. Assez parlé. Il faut absolument atteindre le sous-sol avant que les pillards ne trouvent le moyen de libérer Lorenzo. Suivez-moi. Faites attention, Jack. Oh my god. Vous aussi.
pouvez me rappeler qui vous êtes. Hey. Belle trouvaille. Ok, allez, on y va. C'est une légende. Ok, maintenant. Ok. Ok. Ok, donc voilà, je pense que je vais faire une petite pause, je reviens après. Faut que tu sois déjà mort ou pas. Bon, allez. On y va. Dès qu'on avait prévu. Qui ? Attends. Y'a quelqu'un ? Y'a pas eu un bruit. Hein ? Tu vas morfler, connard ! C'est à moi ! Y'en a d'autres ? Pour prendre les affaires hein, que j'ai pas pu prendre. Je veux faire ça. Ouais.
y a rien d'autre. Là, je pense qu'il y a eu un explosif et singe là. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Je déclare ouverte la banque MacCredit des terres désolées de la capitale. Par là, ok. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Vous n'allez pas ramasser ça quand même. Si, j'ai besoin de munitions. Peinture, quelques tapis, et ce sera comme neuf. Ah bon? C'est quoi ce secret là? Ça y est. Tu crois pouvoir t'en sortir, hein? T-shirt et pantalon, ok. Droit, mon âge. Thank you.
Désolé. Je suis concentré. Pas pour vous, mais là j'ai failli crever. J'ai failli crever, mais d'une force. D'autres chemins. Ça sera un peu muet hein. Je suis vraiment, vraiment désolé, je sais pas quoi dire, je suis fatigué un peu, donc on le fera comme ça hein. Allez, on descend. Ok. Hey. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure du partage du butin? Un casque, je pense. Enfin, si j'en ai un, ouais. Voilà. On sera un peu plus résistant. Sous-sol. Sous-sol, ok. Nous devons à tout prix les empêcher de libérer Lorenzo. Lorenzo, c'est son père, c'est ça? Si j'ai bien compris, c'est ça, ça, ouais. Il essaie de couper le champ d'Abraméline. C'est la seule chose qui empêche Lorenzo de s'échapper. Il faut à tout prix les arrêter. Salut, Jack. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas gratifié d'une visite personnelle. Père, il est temps de mettre un terme à tout ça. Mes pouvoirs ont évolué, Jack. J'ai encore beaucoup à apprendre de l'artefact. Je serai heureux de t'enseigner tout ce que je sais à mon tour, quand je serai libre. Vous savez que je ne peux pas vous libérer tant que je n'aurai pas extrait l'artefact. Moustache de Lucifer. Ils ont verrouillé toutes les portes de sécurité. Je vais devoir les ouvrir une par une d'ici. On va continuer à progresser. Vite, allez-y. Je vais neutraliser le champ.
d'ouvrir la porte. On est tout prêt. Le temps presse. C'est cela. Vous devez neutraliser le champ de confinement à son ouvrier. On pensait pouvoir se cacher. Je suis invincible. Moi je dis t'es mort. Ah merde. Oh shit. Ça m'a l'air un peu chaud, ouais. En plus, moi qui est avec un poids, on va dire, assez décent, ça va pas le faire. Bon, je crois que je vais le faire aux pompes. Voilà. Tout le monde descend. Non, bonsoir. On verra ça plus tard, hein. Sous-sol. Ok. Alors. Si vous voyez quelqu'un, ouvrez le feu immédiatement. Nous devons à tout prix les empêcher de libérer Lorenzo. Il essaie de couper le champ d'Abraméline. C'est la seule chose qui empêche Lorenzo de s'échapper. Il faut à tout prix les arrêter. Salut, Jack. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas gratifié d'une visite personnelle. Père, il est temps de mettre un terme à tout ça. Mes pouvoirs ont évolué, Jack. J'ai encore beaucoup à apprendre de la... Je serais heureux de t'en... Ah ouais, c'est vrai que depuis... ouais, j'ai un niveau augmenté. Comment zapper... Je crois que je vais prendre ça. Enseigner tout ce que je sais à mon tour, quand je serai libre. Vous savez que je ne peux pas vous libérer tant que je n'aurai pas extrait l'artefact. Voyons voir. Par les moustaches de Lucifer, ils ont verrouillé toutes les portes de sécurité. Je vais devoir les ouvrir une par une d'ici, pendant que sérieux. Vous continuez à progresser. Vite, allez-y. Vous devez neutraliser le champ de confinement avant d'ouvrir la porte. Ah merde. Ils ont ouvert les portes de sécurité. Grouillez-vous. J'ouvre la porte principale. Vous me ferez un plaisir de vous montrer comment... Ok, là on va jouer serré. Alors on va mettre ça. Je vais le cacher pour récupérer un peu de PA. Dès que vous m'aurez fait sortir. Mes forces reviennent déjà. Je vais être là. C'est tout juste. C'est comme ça qu'on fait. Chance de l'arrêter. C'est pas mon fils. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'a pas toute sa tête. Regardez un peu ce qu'il m'a fait. Installer un système d'urgence dans l'enceinte de confinement. Passer les quatre générateurs d'Abraméline en mode commande manuelle. Et je pourrais inonder sa cellule d'une dose morte.
cartel de Rayon Zeta. Faites le bon choix. Ouvrez cette porte et laissez-moi sortir de cette prison. Tout ce que mon fils a pu vous dire à mon sujet n'est que mensonge. C'est évident. Pourquoi ? Pourquoi il mentirait ? Il ment ! Ne l'écoutez pas ! Ne le laissez pas sortir ! Je vous en prie, ouvrez la porte. J'ouvre la porte ou pas ? Envie. Repensez à tout ce que Jack vous a dit. À votre avis, qui semble le plus fou de nous deux ? Vous n'activez pas ce générateur rapidement. Il va se libérer et nous allons tous mourir. Faites le bon choix. Laissez-moi sortir d'ici. Je m'en fous plus si peut-être. Il offre un truc de plus. Je vous en prie. Non, j'ai pas envie. Hop. Pardonnez-moi, père. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter ça. Je crois même que j'étais sur le point de trouver le moyen d'extraire l'artefact. Menteur ! Tu ne voulais qu'une chose, me laisser moisir ici et profiter de mon pouvoir pour l'éternité ! Misérable cloporte ! Tu crois vraiment pouvoir me détruire ? Adieu. Adieu, père. Ah, mais pas mal, là. Joli. Ok. N'avions pas d'autre choix, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait réussi à s'échapper ? Il nous aurait tués, nous et toute ma famille. Et ça n'aurait été qu'un début. Les crimes qu'il a commis quand il était en liberté. Sans les relations et l'influence de ma famille, c'est la chaise électrique qui l'attendait. Le monde d'aujourd'hui est un véritable paradis pour les monstres comme lui. Rien ni personne n'aurait pu l'arrêter. Non. J'ai répondu à ma propre question. Nous n'avions vraiment pas le choix. Toutes mes condoléances pour Lorenzo. Je vous remercie. Sincèrement. Avant que vous partiez, je n'y serais jamais arrivé sans votre aide. Je pense que c'est une juste compensation. Je n'aurai plus besoin de vos services dorénavant. Mmh. Vous n'avez plus besoin de moi ? Non. Sans Parsons, je n'aurais pas besoin de garder autant de personnel. J'ai sauvé votre famille entière. Ça vaut quand même un peu plus que ça. J'étais à deux doigts de comprendre enfin l'artefact. Mais maintenant que je peux l'étudier directement, je pourrais peut-être en faire quelque chose d'utile. Revenez me voir à Cabot House dans une semaine ou deux. Mes longues années de recherche n'auront peut-être pas été vaines, finalement. Ok. Ok, ok, ok. Bon, là je vais sortir du bâtiment, donc cette accélération totale. Ok, ça ramène ici. Oh.
Ouais, comme je suis lourd. Hein. Vache, ça a été réduit en pièces. C'est pas où j'ai la sortie. Il fiche les jetons, ce jardin. Je parie que ça va encore me filer des cauchemars. Mais non, ça va te filer des... Ah si. Désolé, Doc. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Ok, bon, bah... Ok, bon, bébé, bon, bébé, bon, bébé, bon, bébé... Bon ben c'était fantastique cette mission, donc ben je vous laisse là, c'était Gensho, bye bye, et à nouveau, encore. Bon, ben voilà, c'est fini, bon, bref. Donc voilà, c'était une histoire assez bizarroïde. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur Fallout 4, c'était Gensho, bye bye.